Ce mardi 11 février, Peter Phillips et son épouse Autumn ont annoncé leur séparation après 12 ans de mariage et 2 enfants. D'après les tabloïds britanniques, certains éléments laissaient présager cette rupture. Ce mardi 11 février, Peter Phillips, le petit-fils préféré de la reine Elizabeth II, a annoncé aux Britanniques son divorce avec la Canadienne Autumn Kelly. Le couple se serait séparé pour le bien de leur fille, Savannah et Isla, âgées de 9 ans et de 7 ans. Dans un communiqué, il était écrit « La décision de divorcer et de partager la garde de nos enfants est intervenue après plusieurs mois de discussion et, bien que triste, elle est amicale. » Ces derniers ajoutaient que leur priorité restera le bien-être et l'éducation de leur merveilleuse fille. Un divorce très largement médiatisé. Le Daily Mail révèle que certains indices laissaient présager leur séparation. Par exemple, Peter Phillips et Autumn Kelly n'ont pas été aperçus publiquement ensemble depuis septembre 2019. En janvier, c'est seul que Peter Phillips se rendait à l'église Sandringham pour les messes de la nouvelle année. Par ailleurs, le couple avait décidé en décembre de ne pas honorer la tradition de Noël en famille. Ils avaient l'habitude de rejoindre le reste de la Royal Family à l'église pour la messe de Noël. Une absence qui laissait déjà sous-entendre que le couple était séparé. Le Sun, de son côté, pense savoir qu'Autumn aurait été à l'origine de cette rupture. Si est une femme et une mère merveilleuse et une femme très intelligente, mais elle dit à ses amis depuis un certain temps qu'il y avait des problèmes, explique l'un des proches des ex-Turtrow au tabloïd britannique. Peter Phillips est le premier des petits-enfants de la reine Elizabeth II à divorcer.